D'ici 2040, l'agglomération toulousaine accueillera 200 000 habitants supplémentaires, soit l'équivalent de 5 fois la population de Colomiers. Cette croissance entraînera une augmentation du nombre des déplacements, bien que l'essor du télétravail et des activités en ligne, achats, loisirs, démarches, puisse réduire la nécessité de se déplacer quotidiennement. Dans les prochaines années, de nouvelles solutions de mobilité, comme la ligne de métro C, le réseau express vélo et les aménagements ferroviaires sur les axes nord et ouest, seront mis en place. Elles devraient considérablement diminuer l'utilisation de la voiture. De plus, le développement de véhicules électriques ou hybrides contribuera à réduire la pollution atmosphérique et les émissions de gaz à effet de serre liées au trafic routier. Cependant, une partie des habitants, surtout ceux des zones périurbaines, restera probablement dépendante de la voiture, avec des conséquences négatives sur la qualité de vie et l'environnement. Le futur plan de mobilité devra donc capitaliser sur les progrès en cours, tout en apportant des solutions supplémentaires pour répondre aux multiples défis du territoire. Accueil de nouveaux habitants, croissance du nombre de déplacements, réduction de la dépendance à la voiture, transition écologique, etc.